So the, we'll finish. It's we're doing a siyum here on the tractate of Nazir, as the name of the tractate itself kind of encapsulates the whole idea of the tractate. It speaks about the different laws of the somebody becoming a Nazir, a Nazirite. So we'll go, and we're lucky enough that in this tractate, the end of this tractate, we married to also learn a full Mishnah, which doesn't always happen when you finish a tractate in the Talmud. So we are fortunate to finish a full Mishnah with a beautiful ending of a blessing. And it's customary that once we finish the tractate, there is a Hadran. Hadran is kind of like a prayer that we recite at the end of the tractate. I'll explain it when we go along of what Hadran means. So let's start with the Mishnah. The Mishnah states like this: Nazir Ahia Shmuel. The tractate concludes with an agadic statement about Nazirites. Samuel, referring to Shmuel, the prophet Samuel, was a Nazirite. In accordance with the statement of Rabbi Norai, Kedivrei Rabbi Norai, Umora lo ya'ale al rosho. Rabbi Norai says, it is stated that when Chana, the mother of Samuel, prayed for a son, she vowed, and no mora, and I'm not translating the word mora because the Gemara itself does not translate. There's a discussion around what does mora means. And no mora shall come upon his head. Now, so from this, what does it mean, mora? From this, Rabbi Norai understand that mora means that he will not be allowed to shave or cut his hair. Right? But then the Gemara asks, Neymar b'shimshon u'mora, v'neymar b'shimshon u'mora, ma mora amura b'shimshon nazir, af mora amura b'shimshon nazir. How does Rabbi Norai conclude that mora means not cutting his hair? It derives it from Shimshon, Samson, right? Samson himself was a Nazir, as we know. And when the angel revealed himself to the mother of Shimshon, he told her, no mora shall come upon his head. So we derive from here that he was, just like Shimshon was not allowed to cut his hair, so too Samuel, the prophet, was also including in this prohibition of becoming a Nazir. His mother, Chana, vowed that he shall come a Nazir. The Mishnah continues, Amar Rabbi Yossi, V'alo en mora ela shel basar vadam. Rabbi Yossi says, mora usually it tends to define the word fear, like ira. Right, so how do we conclude that mora really means not shaving your head? And it means the fear of flesh and blood. So if we understand that mora means fear here, is that the prayer of Chana for her son Samuel was that he shall not fear any flesh and blood. He shall not fear any human being. But then the Mishnah has a problem with that, because we know that Samuel himself had some fear. Samuel, the prophet himself, feared that Shaul should not kill him. And the Gemara states, Rabbi Norai said, Rabbi Norai, Amar le Rabbi Norai, Valo Gvar Neemar, Vayomer Shmuel, Ech Elech Veshama Shaul Ve'argani. So Rabbi Norai says, we can't say that mora means fear, because we see that, isn't it already stated, and Samuel said, how can I go? If Shaul hears it, he will kill me. So this verse indicates
that there was a fear of flesh and blood upon Samuel. Consequently, the term mora must be understood in accordance with its plain meaning as a razor, right? Cutting hair. If so, Samuel indeed, says, concludes the Mishnah, indeed was a Nazirite. And Samuel was a Nazir. Now, that was the Mishnah. The Gemara concludes, a very short Gemara, and concludes with no connection to the Mishnah. It says like this. Chtov ubarich. Seize the opportunity and quickly recite a blessing over the cup of blessing for the grace after meals. It's a big hashgacha pratit that we're finishing like this. We're talking about taking the wine and doing a zimun, right? And so here we see Rav Una telling his children, and similarly Rav Una said to his son, Rabba, seize the opportunity and recite a blessing. Chtofu barich. The Gemara asks, Lemimra de mevarech adif? Ve'atanya Rabbi Yossi omer, Gadol ha'one, amen, yoter min ha'mevarech. Ve'amar le Rabbi Yonorai, Yashamayim kachu, Teda she'arei goliriam, Medgarim be'milchama ve'gomrim ve'notchim. The Gemara asks, is this to say that one who recites a blessing is preferable to one who answers amen? So now there's a discussion in the Gemara. What is preferable? To actually recite the blessing or to respond amen? The Gemara seems to say that it's greater to actually recite a blessing than answering amen, as we see, Chtofu barich, seize the opportunity and make a blessing. Rabbi Yossi says, the one who answers amen is greater than the one who recites the blessing. Isn't it so? Rabbi Yossi says, no, we've learned somewhere else that actually reciting amen to a blessing could be much greater than actually reciting the blessing. And Rabbi Norai said to him, by heavens it is so. No, that is true. As the military assistants descend to the battlefield and initiate the war, and the mighty follow them and prevail, the amen that follows a blessing is compared to the mighty who joined the war after the assistance, illustrating that answering amen is more significant than reciting the initial blessing. So here we find a clear dispute between the sages on what is greater, the actual reciting the blessing or answering amen. The Gemara responds by saying, this is a dispute between Tanaim, and is it taught in the Braita, both the one who recites blessing and the one who answers amen are included among those who stand up and bless. But one hurries to first reward the one who recites the blessing. The Braita apparently holds that reciting the blessing is greater than answering amen. Not only answer the greeting amen, as a reward, one should always pursue to try to make the blessing himself than being acquitted or patur by somebody else. So the Gemara understands that the reward that's given to a person is much greater by him reciting the blessing than just responding amen. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, Sheneemar V'chol Banayich, Limudei Hashem, Verav Shalom Banaich. Rabbi Elazar said that Rabbi Chanina said, Torah scholars increase peace in the world. It is stated, and all your children, Banaich, shall be taught of Hashem, and great shall be the peace of your children. The sages interpreted this verse homiletically. Do not read it as your children, Banaich, but as your builders, bonaich, meaning your builders. Torah scholars are those who build peace for their generation. And we find that it's something very interesting that our sages teach us, that through Talmud Torah, through learning a Torah and doing a mitzvot, we actually build the edifice, the spiritual, and ultimately the physical edifice of the world, right? By doing Torah and mitzvot, we bring spirituality into the world and building the world. One last thing I would like to say, that there are four tractates. It's very interesting how this
this Gemara ends. There are four tractates in the whole Talmud that finish exactly the same way. Al tikre banayich bonayich. It's brachot, nazir, yevamot, and kritut. It's exactly the acronym, the Rashi Tevot, of banayich. Bet, nun, yud, chaf. Brachot, nazir, yevamot, and kritut. Adran alach, akutim, en la em nezirut, visilka, masechet nazir. Nous reviendrons vers toi, Nazir, et le traité de Nazir est fini. Je poursuis avec un peu de français pour la fin du Hadran. La Hadran, c'est une prière qu'on fait à la fin du traité. Je vais le lire vite en hébreu, et ensuite, juste quelques petites traductions sur cette très belle prière. Je pense que vous allez apprécier énormément. Hadran alach, maseret Nazir, va Hadran alach. Da'atan alach maserhet nazir ve da'atan alan. Lo nitche minach maserhet nazir ve lo titneshi minan lo be'alma din ve lo be'alma de'ate. Iratzom lifanecha Adonai Elohim v'avotenu. Ketero terotecha umanutenu ba'olam hazeh v'teu imanu le'olam haba. Chanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achaya bar papa, Abba Mari bar papa, Rafram bar papa, Rachish bar papa, Surchav bar papa, Ada bar papa, Daru bar papa. Arrive na Adonai Eloheinu et divrei Torahtecha befinu ufir amecha bet Yisrael b'nei kulanu anachnu v'tzeitzeinu v'tzeitzeitzeinu v'tzeitzei amecha bet Yisrael kunai yodei shemecha v'lomdei Torahtecha lishma me'oiva et tachakmeni mitzvotecha ki le'olam hili yi libi tamim b'chukecha leman lo evosh le'olam lo yishkach p'kudecha ki bam chiitani baruch ata Adonai lamdei l'chukecha amen amen sela v'ed modim anachnu lefanecha Adonai Elohim l'avotenu ששמת על חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת על חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברי בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת נזיר. כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים, לסיים ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים דעותיך, באהבה וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותקיים בי תלכיך תנחה אותך בשוכביך, תשמור עליך והקיצותה היא תשיחיך, כי בי ירבו ימיך ויוסיף אליך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אדוני זעמו אתן, אדוני ורתמו השלום. Traduction de ce qu'on vient de lire, je pense que c'est très important. Hadran veut dire nous reviendrons vers toi. Nous reviendrons vers toi, traité Nazir, et tu reviendras vers nous. Nos pensées sur toi, traité Nazir, et tes pensées sont sur nous. Nous ne t'oublierons pas, traité Nazir, et tu ne nous oublieras pas, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. C'est la coutume de faire un siyum de cette manière et l'explication de ce que ça veut dire « nous reviendrons vers toi ». Qu'est-ce que ça veut dire « nous reviendrons vers toi » traité Nazir ? Dans ça, les commentaires expliquent « nous exprimons l'espoir de pouvoir réviser en permanence ce que nous avons appris et espérons que grâce au mérite que nous procure notre désir d'étudier, la Torah elle-même est très en vie, si l'on peut s'exprimer ainsi, de revenir vers nous. C'est pourquoi ce terme est dérivé de hadar, revenir. Ceci est dans l'esprit dictant talmudique selon lequel Torah mechazeret al arsania shela. La Torah revient à son auberge, c'est-à-dire à un endroit où, chez des gens où elle a été bien accueillie. D'après le Sefer Chaim, ce terme est dérivé du mot « hadar », gloire. Par conséquent, quel que soit le niveau de gloire que nous avons atteint, c'est grâce à la Torah. Et nous prions que la Torah étende sa gloire sur nous. Et on continue dans le « hadar ».« Iratson, que ce soit ta volonté, Hachem, notre Dieu, le Dieu de nos pères, que ta Torah soit notre préoccupation dans ce monde et qu'elle puisse rester avec nous dans le monde futur. » Si vous avez remarqué, on a récité quelques « chachamim ». Et je le répète ici, Chanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa,
Abba Mari Bar Papa, Rafram Bar Papa, Rachish Bar Papa, Suchav Bar Papa, Adar Bar Papa, Daru Bar Papa. La raison que tous ces sages sont récités ici, Bar Papa, si vous arrivez, les 10 enfants de Papa. C'est un sage qui s'appelle Bar Papa. Et lui, tous ses enfants sont récités ici. Le sens simple de ce Rav Papa était un homme, c'était que Papa était un homme très riche, qui à chaque fois qu'il achevait l'étude d'un traité, organisait de grandes festivités auxquelles il invitait ses 10 fils, ainsi que d'autres personnes. Ce faisant, il rehaussait la gloire de la Torah, ce qui en retour permit à ses fils d'atteindre des hauts niveaux d'érudition. C'est pourquoi le peuple tout entier honore Rav Papa et sa famille en mentionnant leur nom à l'occasion de chaque sioum. De grâce Hachem, notre Dieu rend agréable les mots de la Torah dans notre bouche et dans la bouche de ton peuple, la maison d'Israël. Et puissons-nous, nous tous, nous, notre descendance, la descendance de notre descendance et la descendance de tout ton peuple, la maison d'Israël, nous tous, connaître ton nom et étudier ta Torah. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car il n'y a jamais avec moi. Puisse mon cœur être parfait dans tes statuts, de telle sorte que je n'ai pas honte. Iratson, que ce soit ta volonté, Hachem, mon Dieu, que de la même façon que tu m'as aidé à achever le traité Nazir, ainsi tu m'aideras à commencer d'autres traités et d'autres livres, et les achever, à étudier et enseigner, à garder et à faire et accomplir toutes les paroles des enseignements de la Torah avec amour. Puisse le mérite de tous les Tanaïm, Amoraïm et tous les érudits de Torah, et les érudits en Torah se tenir à mes côtés et aux côtés de mes enfants, de telle sorte que la Torah ne quitte pas ma bouche, ni la bouche de mes enfants, ni celle des enfants de mes enfants à jamais. Que puisse s'accomplir pour moi le verset « Lorsque tu marcheras, elle, la Torah, te guidera. Lorsque tu te coucheras, elle veillera sur toi. Et lorsque tu réveilleras, elle parlera avec toi. Car grâce à moi, la Torah, tes jours seront nombreux, des années de vie te seront ajoutés, de longs jours seront à ta droite et à ta gauche, sans richesse et honneur. Hachem donnera la force à son peuple, Hachem bénira son peuple avec la paix. Je n'oublierai jamais tes préceptes, car à travers eux, tu m'as préservé. Béni sois-tu Hachem, enseigne-moi ta statue. Amen, 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 c'est là à jamais. Bochim tiyou. Amen. Chazak u'baruch, Rabbi. Chazak u'baruch. Chazak u'baruch. Que vous soyez tous bénis, Bezrat Hashem. Chag Sameach à tout le monde. N'oubliez pas, Chag Sameach, n'oubliez pas que le chametz, on ne peut plus le manger. Et ici, à 11h35, si vous... Le brûler, le manger maintenant. On pourra comment plus manger maintenant le pain. Le manger, on n'a même pas 5 minutes. On peut poser une question. Maintenant, vous pouvez manger des pommes de terre et des œufs. Un commentaire, s'il vous plaît. Tout le monde, on va écouter le rabbin. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça serait bien, non? Un commentaire, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Une petite. Rabbin Pinto. Les amis, juste une petite. Un commentaire, s'il vous plaît. Une petite seconde. Est-ce que. Quoi? Hey, Noah. Ok, les amis, une petite seconde. Je vais donner la parole à Monsieur Edmond Elbaz pour une petite seconde. Alors, n'oubliez pas, le chametz, ça y est, on n'en peut plus. Vous pouvez manger des pommes de terre et des œufs si vous voulez. Pas de matzah. Par contre, brûlez le bio chametz aujourd'hui jusqu'à 11h35 ou 25, si je ne me trompe pas, pardon. 11h35, avant 11h35, il faut déjà brûler le chametz. Si vous n'allez pas allumer un feu, je ne le suggère pas non plus, vous pouvez vous en disposer de votre chametz en le mettant dehors, dans votre poubelle, en dehors de la maison, ou même les poskim, ils arrivent que vous pouvez même le jeter dans le bol de toilette. Bon, c'est un petit peu effrayant de dire une chose pareille. On n'a pas l'habitude de jeter des miettes de pain. Mais avant 11h35, il faut se débarrasser de votre chametz. Aujourd'hui à 5h, Hachem, joignez-nous pour un prix seder avec le cantor Benolo et avec moi-même. On va boire 18 verres de vin, pardon, 4 verres de vin. Et on va
Et joignez-nous, on va chanter, on va faire un kikidouche, on va passer un petit peu sur les petites choses du Seder. Alors, au plaisir de vous voir. Maintenant, j'adresse la parole à notre président, M. Elbaz, qui voulait partager un petit mot. Et ensuite, Alain Shabeach, Eli Ashkavot et Miché Bera. Rabbin Pinto, oui. Tout d'abord, Kol HaKavod pour ce Dvar Torah. Et pour les non-initiés concernant le Nézira, qui est une réclusion pratiquement complète, la Torah n'oblige personne au Nézira, à cet abandon, puisqu'il va à l'encontre du verset « Ivdou et Hashem Besimha » Priez Dieu dans la joie, dans l'allégresse. Et la Torah recommande à celui qui a fait cette réclusion, c'est-à-dire qui ne s'est pas rasé la tête, qui n'a pas bu de vin, qui n'a pas joui de la vie, alors que nous devons jouir de la vie, de s'excuser après, d'apporter un korban après. Exactement. Pour s'excuser de cette attitude qu'il a prise et qui n'est pas nécessairement recommandée par la Torah. C'est vrai, effectivement. Et c'est même considéré un péché, comme s'il avait commis un péché. C'est pour ça qu'il amène à la conclusion de son nazir, il amène un korban khatat, effectivement. Merci beaucoup. Exactement. Et c'est ça qu'il faut préciser, que le nézira n'est pas obligatoire du tout. Il va à l'encontre des commandements de la Torah. Parce que quand on lit le traité, etc., on se dit « Ah, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose à conseiller ?» Non, c'est important de préciser que le Nézira va à l'encontre des lois de la Torah. Que cette réclusion, cet abandon de vivre complètement sa vie dans la joie, en famille, en communauté, etc., n'est pas permis. N'est pas permis que celui qui s'est donné pour mission de faire le Nézira se doit à un moment donné de demander pardon et de faire un korban khatat. Oui. Zaku Baru. Effectivement, moi personnellement, je vais être un nazir parce que je ne peux pas me couper les cheveux. Viens chez mon frère, il va te couper. C'est sûr qu'on va le boire. Parce que mon frère, va te couper les cheveux. Je vais être à moitié d'un nazir. Mais... Voilà. Raf Pinto, attendez, excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Raf Pinto, la prière qu'on fait ce soir pour Arvit, demain matin, tout ça, c'est quoi là? Juste la Amida des trois fêtes? Exactement. Alors, ce soir, vous faites les prières comme on fait Shabbat. Il n'y a pas de l'Echunera Nena et tout ça. Vous allez commencer avec Mizmor les David. Et ensuite, la Amida, effectivement, vous faites les Kriyat Shema et la Amida des Shlosha Regalim, des trois fêtes. Demain matin, vous faites la prière comme tout le Shabbat. Et ensuite, la Amida des trois fêtes, effectivement. Avec Moussa des trois fêtes. Et Shabbat, c'est juste la Amida normale. Shabbat, vous allez faire la Amida. Avec Shabbat Chol HaMoed, vous allez voir qu'il faut réciter le Ya'aleh ve'Yavo. Ça veut dire dans la Amida, vous allez faire la Amida de Shabbat. Ensuite, dans la Amida, il y aura Ya'aleh ve'Yavo. Par contre, je ne sais pas si vous recevez notre email, les amis, si vous voulez, envoyez-moi un message. J'ai préparé une feuille avec exactement toutes les prières qu'il faut faire pendant la fête, les pages selon le Patach Eliyahu. Alors, si vous avez un Patach Eliyahu, ça me ferait plaisir de vous l'envoyer. Je vais te l'envoyer, Patrick, sur le WhatsApp. Oui. Pour l'imprimer. Oui. Merci. Super. Alors, attendez, monsieur, n'oubliez pas le Alain ou les Shabeach, Cantor Benolo. Donc, on se revoit sur Zoom samedi soir. On se revoit sur Zoom samedi soir, Ardala. Les Zrat Hashem sur Zoom. Allez, nous les chabéas, la donne à Erkovitch.